l'amour et la peur, et que l'une exclut l'autre, et inversement. Alors on va essayer de travailler sur la peur. Donc, on va commencer à bien respirer un peu. On va y aller. Emotional Freedom Technique. Alors, on va nettoyer la peur. Et je prends pleine responsabilité pour mon propre bien-être chaque fois que je fais de l'EFT. Même si j'ai peur. Je choisis de m'aimer, de m'accepter. Même si je me sens effrayée, je choisis de m'aimer et de me pardonner. Même si je me sens vraiment apeurée, anxieuse, je me sens inquiet. Et ça n'est pas un sentiment agréable. Je choisis de résoudre ceci. Même si je me sens effrayée, je choisis de m'aimer complètement et de m'accepter totalement et de me pardonner totalement. Et n'importe qui d'autre dans ma vie qui m'a dit d'être ou qui m'a expliqué comment ou pourquoi il fallait que je sois aussi effrayée que ça. Toute cette peur. J'ai choisi de la laisser partir. J'ai choisi de la laisser s'en aller. Toute cette anxiété, toute cette inquiétude, ça ne me fait vraiment pas du tout du bien. Mais une partie de moi croit que ça me fait du bien. Une partie de moi croit que j'ai besoin de cette peur. Une partie de moi doit croire que j'ai besoin de m'inquiéter. Que si je ne m'inquiète pas, quelque chose de mal va arriver. Toute cette peur que quelque chose va arriver, quelque chose de mal, si je n'ai pas peur, si je ne suis pas inquiet. Mais cette peur est vraiment inconfortable. Et en la ressentant, quelque chose de mal est déjà en train d'arriver. Peut-être que c'est pour ça que Roosevelt a dit la seule chose que nous avons à avoir peur, enfin la seule chose dont nous avons à avoir peur, c'est la peur elle-même. Et je passe beaucoup de temps à avoir peur de la peur. Avoir peur que je vais d'être bientôt très très effrayée. À imaginer des circonstances où je vais me sentir anxieuse. Et alors je suis anxieuse rien qu'à l'idée de les imaginer. La plupart des peurs que je ressens, la plupart des anxiétés que j'expérimente, la plupart des choses au sujet desquelles je m'inquiète, n'arrivent même pas dans la réalité. La menace est seulement dans mon cerveau. Et même si elles sont réelles, il y a des choses dont je devrais vraiment être effrayée. Je choisis de savoir. Je suis assez futée pour prendre soin de ces choses-là, pour gérer ces choses-là, ou les éviter.
même sans la souffrance de la peur. Alors je nettoie toute cette peur douloureuse, toutes ces inquiétudes douloureuses, toutes ces inquiétudes pénibles. Je les libère au niveau cellulaire. Je libère tous les symptômes physiques. J'autorise mon cœur à battre régulièrement. J'autorise ma respiration à être calme et relaxée. Et je m'autorise à me sentir calme et confiant. Calme et confiant dans l'idée que je peux gérer ma vie. Et je nettoie la peur. Jusque dans mon passé, je reconnais cette part de moi qui a besoin de ressentir de la peur. Elle essaye juste de me garder en sécurité. Parce que les choses qu'on m'a dites et les choses que j'ai expérimentées, et je nettoie toute cette peur passée. Toutes les peurs que j'ai vécues, ressenties. Et que j'ai décidé de continuer à ressentir. Et toutes les peurs que l'on m'a dit de ressentir. Je n'en ai plus besoin. Je peux prendre de grandes et bonnes décisions sans la peur. Je peux prendre soin de moi sans la peur. Je peux renoncer à tous les doutes que j'ai sur moi-même. Et je relâche, je laisse partir ce besoin d'être effrayé. Et je m'autorise à me relaxer. Et je m'autorise à me sentir bien. Confiante, calme. Et j'autorise mon corps à se sentir calme et confiant. Je m'autorise à avoir la foi dans ce que je choisis de croire. Ce soit que je choisis de croire, y compris moi-même. Je choisis de me sentir calme et confiante. Je m'autorise à me sentir calme et confiante, me relaxant et respirant librement, en sachant que je peux gérer la vie. Que je peux prendre soin des choses et des gens, et que je peux prendre de très bonnes décisions. Alors je me sens calme et confiante dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme. Prends une grande respiration. Ah. Excellent. Merci d'avoir fait ce travail. Merci pour vous. Merci pour le reste de la planète à qui vous rendez service. Bonne journée.